à Dieu. Prions ensemble avant le message. Père Céleste, nous te rendons grâce de comment tu as continué avec nous tout au long du corps. Père de ta parole. Ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la vérité soit écrite pour que notre vie soit agréable devant toi au nom de Jésus-Christ. Comme tu nous as sauvés, garde-nous en fermeté, sécurisés dans ton royaume. Aide-nous à ne pas être imprudents face à notre vie chrétienne et à ne pas être imprudent face à l'arrivée au port final. Et nous prions que tu nous gardes dans ta grâce et dans ta surabondante grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean 15. Comme nous considérons le message, les conditions de la sécurité en Christ, les conditions de la sécurité du croyant en Christ. Jean, chapitre 15, verset 1. Je suis le cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il, le Père, le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai comme ta parole que je porte, qu'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse. On le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Le Seigneur savait que ses disciples étaient familiers avec l'agriculture, c'est-à-dire la situation, la culture de raisin, et connaissaient la vigne et la fait usage de cette illustration. Il a parlé de tout sarment, chaque branche en lui, tout disciple de Christ. Et il a dit que qu'on commence à croire. Commencer à croire était un grand pas. Ce n'est pas la dernière étape. Commencer, c'est bon. Mais continuer de marcher avec lui, et demeurer avec lui, et être affermé en lui, être sécurisé en lui, est la chose la plus importante. Donc, il dit par là que je suis le vrai cep et mon père qui
veille sur la vigne est le vigneron. Et il a également parlé de deux catégories de croyants, ceux qui demeurent et ceux qui ne demeurent pas en lui. Ceux qui continuent en lui et ceux qui ne continuent pas dans le Seigneur. Ceux qui sont fermes et ceux qui sont tremblotants, ballottants. Et il a dit au verset 2, tout sarment qui est en moi, né de nouveau, un croyant déjà en Christ, une nouvelle créature en Christ, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit et qui oublie que toute branche, tout sarment dans la vigne, c'est-à-dire sur le cep, doit porter de fruits. Et si quelqu'un en Christ qui ne possède pas la grâce, la capacité, l'habileté à produire tout sarment en moi et qui ne porte pas de fruits, il, c'est-à-dire le Père, le retranche. Et tout sarment, toute branche, tout sarment qui porte du fruit, le croyant sauvé, pardonné, affranchi, et qui demeure dans le Seigneur, ayant la grâce de Dieu dans sa vie, et qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour l'appliquer à ses disciples, il a dit, maintenant, vous êtes purs à travers la parole que je vous ai annoncée. Déjà, ils étaient nés de nouveau. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et il les encourageait, disant que maintenant que vous êtes purs, maintenant que vous êtes nés de nouveau, maintenant que vous êtes mes disciples, maintenant que vous me suivez, maintenant que vos noms sont écrits au ciel, verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, il croit en moi, il continue de croire en moi, il est affermi, il demeure, il reste en moi, il est fidèle, il marche fermement, il continue avec moi, qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si un homme croit qu'il est sauvé, et peu importe qu'il demeure ou pas, si un homme dit que je suis sauvé, et il n'est plus dérangé d'être ferme, ou pas, si un homme dit que oui, je suis sauvé, je suis une branche, je suis un sarment, je suis croyant en Christ, je suis enfant de Dieu. Et si lui ne demeure pas en moi, s'il ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis, on le ramasse. On le jette au feu. Et il brûle. Cela nous dit déjà que le chrétien a la sécurité conditionnelle. Le chrétien qui demeure est sécurisé. Celui-là qui ne demeure pas n'est pas sécurisé. Nous abordons ce passage sous trois subdivisions. Numéro 1, les conditions du croyant
les conditions de la sécurité du croyant. Du croyant qui est venu au Seigneur, s'il sera sécurisé, il y a une condition. Les conditions de la sécurité du croyant. Deuxième point. Les conséquences. Les conséquences des péchés des rétrogrades. Celui qui était dans le Seigneur. Et puis il s'est vu dans un cas et puis il a rétrogradé. Alors, il est allé au mal. Il commençait à pécher. Un croyant qui est devenu un rétrograde. Cette rétrogradation a des conséquences, des revers. Je prie que vous ne rétrogradiez pas. Donnez-moi un bon amen. Le croyant doit continuer, doit demeurer dans le Seigneur. Il doit demeurer dans le Seigneur, continuer, demeurer dans la parole de Dieu et que Dieu nous a donné. Il doit demeurer dans toutes choses que le Seigneur a pour nous. Et comme vous demeurez dans le Seigneur va vous préserver au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais demeurer dans le Seigneur. Je dis, moi, je vais continuer, demeurer dans le Seigneur. Deuxième point, les conséquences de la dépravation des rétrogrades. Troisième point, notre consécration avec une fermeté irréprochable. Notre consécration, notre engagement, le fait de suivre le Seigneur avec une fermeté irréprochable. Numéro 1, quel est votre premier point là-bas? Les conditions de la sécurité du croyant. Nous allons à Jean 10. Et je lis verset 26. Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et verset 28 qui dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce sont les versets que certains examinent et ils oublient d'autres versets dans le chapitre. Et ils oublient d'autres chapitres dans l'évangile selon Jean et disent, regardez ce que Christ a dit. Oui, il a dit ça, que mes brebis entendent ma voix, je les connais. Aussi longtemps que nous continuons d'entendre la voix du Seigneur, écouter cette voix, suivre cette voie, obéir à cette voie, fait que le Seigneur nous connaît. Et comme nous le suivions, aussi longtemps que nous continuons de le suivre, pas à pas, et nous continuons dans le Seigneur à le suivre, alors il dit ici que je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas celui-là qui ne suit pas, pas ceux qui n'entendent pas, qui ne croient pas. Ils croient. Et ils continuent de croire, ils suivent, ils continuent de suivre. Et parce qu'ils suivent comme ça, il dit, je les connais. Et il dit, je leur donne la vie éternelle. Et il dit, et ils ne périront pas. Quand vous suivez le Seigneur, vous ne périrez pas. Et personne ne les ravira de ma main, mon Père.
qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut, aucun pécheur ne peut, aucun Satan ne peut, aucun démon ne peut les ravir de la main de mon Père. Regardez la condition. Revenons au, allons au verset 5. Jean 10, verset 5. À la dernière partie du verset 5, qui dit que elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront pas un faux prédicateur. Elles ne suivront pas un faux berger. Elles ne suivront pas de fausses doctrines. Jean 10, 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Elles sont ceux qui sont sécurisés. Voici la condition: que vous croyez au Seigneur, que vous soyez sécurisés dans le Seigneur, que vous soyez fermes dans le Seigneur et que vous ne suiviez pas un étranger ni de fausses doctrines. Et dit, mais elles, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers, elles ne vont pas suivre les étrangers. La condition stipulée et la condition révélée qui fait sécuriser le croyant. 1 Jean, chapitre 2, verset 24. 1 Jean, chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. La parole que vous avez entendue, que vous avez cru, et vous êtes repenti, vous êtes venu au Seigneur, vous avez reçu le salut et vous avez une nouvelle vie, vous avez un nouveau caractère, vous êtes une nouvelle créature, que cela demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Il y a un si, il y a une condition et une condition que vous, c'est la condition que ce que vous avez entendu dans le commencement, que cela soit en vous, que vous demeurez en cela et par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, vous allez continuer dans le Seigneur. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Il ne faut pas demeurer dans l'étranger. Il ne faut pas demeurer, être sécurisé, rester dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur jusqu'au dernier jour de jugement, demeurer en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Je n'aurai pas honte. Vous n'aurez pas honte. Demeurez en lui afin que vous n'ayez pas honte. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Que nous avons commencé la course ne garantit pas qu'on finira la course. Mais vous allez finir. Vous avez l'esprit de finir. Vous avez l'engagement de terminer la course. Vous avez la consécration de terminer la course. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous n'allez pas combattre avec médiocrité. Vous ne serez pas un coureur inutile, faible. Vous allez courir jusqu'au point d'arriver. Vous aurez l'esprit fixé sur le but, sur la maîtrise, sur le but. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Modéré en toutes choses.
vous êtes, vous mettez sous contrôle les choses en vous. Ce qui veut se montrer de telle manière, ce qui veut aller de telle manière, ce qui veut détruire toute votre énergie, vous devez être sous contrôle en toutes choses. Ce sont les gens-là qui sont sécurisés. Et soyez vraiment, ayez ce contrôle de vous en ce que vous mangez. Vous devez avoir le contrôle des choses que vous buvez. Vous devez être ce contrôle de vous-même au niveau des amis et des choses qui vous environnent afin que vous ne abusiez pas des choses du monde. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc l'apôtre, moi donc prédicateur, moi donc un ministre, moi donc un pèlerin, moi donc un membre du corps de Christ. Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme battant l'air. Paul, tu continues de frapper, de te battre. Oui, je me suis battu avec les bêtes à Éphèse et je combats le bon combat de la foi et aussi contre la fausseté. Je combats avec la chair et qui veut me renverser et me faire reculer du Seigneur. Donc, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je crois que Paul, tu es si âgé que de plus on est vieux, plus on est âgé, plus moins la chair est sensible. Mais je crois que tu es apôtre. Et la grâce de Dieu sature ta vie. Je crois que plus on a la grâce, plus la chair est morte. Mais l'apôtre Paul dit, il est mort, que je suis mort aussi longtemps que je garde la chair morte. Et c'est actif, et c'est, la chair est inactive, et n'opère pas aussi longtemps que je la mets sous contrôle. Mais si je la libère, mais si je m'abandonne aux choses de la chair et aux choses du monde, toutes ces œuvres de la chair reviendront. Ils ne reviendront pas à vous. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché, moi l'apôtre, que je ne sois pas rejeté, après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté. Verset 27. Lisons cela ensemble. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Maintenant, vous allez lire cela avec conviction et compréhension. Vous allez lire ça avec une voix ferme. 1, 2, 3, allons-y. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté. Vous voyez la condition là-bas. C'est que, il dit, je traite durement mon corps, toutes les parties du corps. Est-ce la main qui tue la main? Ma mère, tu ne peux pas essayer cela. Tu ne peux pas envoyer ce SMS. Et mon œil, mes yeux, tu ne peux pas voir cela. Et mes oreilles, tu ne peux pas continuer et entendre la fausseté. Et pieds, tu ne peux pas continuer à marcher, aller là-bas. Et je t'assujettis afin que, après avoir prêché aux autres, que moi-même, je ne sois pas rejeté. C'est ainsi qu'on reste sécurisé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'on a la sécurité du croyant. Allons aux Romains. Romains 11. Romains chapitre 11. Nous lisons le verset 20. Romains 11.
verset 20, Romains 11, 20. Ils étaient là, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Quelle est la condition de la sécurité? Que vous ne retombiez plus dans l'incrédulité, que vous ne retourniez plus à l'incrédulité, que vous restiez dans la foi. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés dans l'incrédulité. Envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés dans le péché. Envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés dans la fausseté. Envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés dans l'erreur. Envers ceux qui sont tombés, ils sont tombés dans l'esprit des derniers jours. La sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme, envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Je prie que vous ne soyez pas retranché. Priez pour moi. Je prie que je ne sois pas retranché. Que vous ne soyez pas retranché au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, vous devez demeurer dans la foi, rester dans la foi. Vous demeurez fermement dans le Seigneur. Et vous permettez que la parole de Dieu s'enracine en vous et que la parole demeure en vous. Et que vous, comme aussi longtemps que la parole demeure en vous, vous ne tomberez pas. Matthieu, chapitre 24. 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui fera quoi? De votre Bible. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, lui, l'enfant de Dieu, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Ceux qui s'égarent, qui vagabondent, ils croient aujourd'hui, ne croient pas demain. Ceux qui croient à la totalité de la parole de Dieu dans le passé, mais maintenant, ils ne croient plus, ils ne demeurent plus, ils ne persévèrent plus jusqu'à la fin. Si vous êtes pareil, je prie que le Seigneur vous ramène. Parce que vous savez, si vous demeurez dans cet amour froid, si vous demeurez dans cette attitude, si vous demeurez dans cette position de rétrogradation et que vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, il n'y a pas de sécurité pour le pécheur. Il n'y a pas de sécurité pour le rétrograde. Il n'y a pas de sécurité pour les apostats qui ont chuté et qui ne reviennent pas. Votre sécurité en tant que croyant dépend sur le fait que dépend de la grâce de Dieu, dépend du fait que vous demeurez dans la grâce de Dieu, que cette grâce ne fasse pas défaut dans votre vie. Deuxième point maintenant, les conséquences de la dépravation des rétrogrades. Les conséquences de la rétrogradation, de la dépravation des rétrogrades. Qui est rétrograde? Celui qui était croyant, mais qui ne l'est plus.
un ex-disciple de Christ, un ancien disciple de Christ, un ancien membre, celui qui croyait, mais maintenant il est incroyant. C'est un rétrograde. Qu'est-ce qui l'a conduit à ce niveau-là? C'est le péché, c'est la dépravation. Il y a des conséquences pour la dépravation du rétrograde. Allons au proverbe. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Il était croyant. Il se confiait au Seigneur. Il croyait au Seigneur. Il s'était repenti de ses péchés. Il a abandonné tous les péchés. Il était devenu une nouvelle créature en Christ. Mais maintenant, il s'est égaré du Seigneur, de l'assemblée des justes. Maintenant, il est spirituellement mort. Il est dans l'assemblée des morts, des rétrogrades. Au fait, qu'est-ce qui fait rétrograder les gens? De moindres choses. Allons, voyons Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et c'est ça, Lisa, comme là où on, c'est une affaire de pharmacie ici, et le parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile, le remède, le du parfumeur, le mélange qu'il a fait. Et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie. Un petit microbe, lorsqu'une petite chose tombe dans cette solution, on ne peut plus la boire parce que c'est un poison. Un peu de folie l'emporte, c'est-à-dire, sur la sagesse et sur la gloire. La personne qui a Christ en lui, la sagesse de lui. Maintenant, il s'est éloigné de cette sagesse et maintenant, il a permis à un peu de folie, un peu de péché, et c'est là le commencement de la rétrogradation. Un peu de choses, de petites choses, de moindres choses, et il est rétrograde. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Je suis le vigne, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, mais un petit renard, un petit mal, un petit vice, une petite dépravation détruit, ravage cette vigne. La rétrogradation commence d'une manière imperceptible. Voyons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu
de levain fait lever toute la pâte, ne savez-vous pas que la rétrogradation commence d'une manière très petite? Ne savez-vous pas que cette petite insincérité, ce petit mensonge, que ce petit mal, que cette petite imprudence, que cette petite folie vous fera glisser, glisser, glisser jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt pour vous, puisse le Seigneur nous délivrer. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître. Le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voulez demeurer dans le Seigneur? Il y a la condition. Vous voulez demeurer dans le Seigneur? Il y a une condition. C'est pourquoi vous voulez être sécurisé dans le Seigneur? Il y a une condition. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, petite chose, malice, petite chose, colère, petite chose, un mauvais tempérament, petite chose, petite haine, petite chose, petite méchanceté et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que le Seigneur nous garde en éveil. Que le Seigneur vous garde en éveil. Que le Seigneur me garde en éveil. Nous allons aux Galates. Galates, chapitre 5. Galates 5:9. Galates 5:9. Qui dit que un peu de levain fait lever toute la pâte, et le Seigneur nous met en garde contre la voix des rétrogrades. Un peu de folie, un peu de malice, un peu de colère, un peu de mauvais tempérament, un peu de bavardage, un peu de dépravation, un peu de compromission, un peu, on est allé à la dérive. Il s'est dit que faisons disparaître ces petites choses. Allons à Jacques. Jacques 3. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, veillez, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu de querelle, un petit feu de violence, un petit feu d'argument, un petit feu de désaccord, un petit feu de mauvaise bouche, d'une langue étrangère. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Je prie que vous ne soyez pas là. Parfois, c'est l'influence des autres, une petite influence. Christ vous influence, il vous instruit, il vous contrôle, il vous inspire. Et puis, il y a un petit personnage en comparaison
à Christ. Et il veut te donner un conseil. Et il veut te faire aller à une autre direction. Qui que soit la personne, un homme, une femme, qui que soit la personne, un prophète, un prédicateur, qui que soit la personne, un évêque ou un pasteur, c'est un petit personnage en comparaison avec Christ qui veut vous ôter de Christ. Il ne va pas vous enlever de Christ. Il pourrait venir avec un sourire disant c'est une bonne intention. Il pourrait venir avec un but particulier voulant vous donner ce petit conseil pour vous égarer du Seigneur. Cela ne vous arrivera pas. Ils viendront, mais ils ne réussiront pas. Dans le cas des enfants d'Israël, Moïse, leur dirigeant, était allé au sommet de la montagne à cause d'eux. Il était sans nourriture, sans eau, 40 jours à cause d'eux. Il est allé recevoir la loi de la main de Dieu pour eux. Et Aaron était là en charge des milliers de personnes, toute l'assemblée. Et quelqu'un, un petit pygmée est venu dire à Aaron, il est venu avec de petits, à comparer à Dieu, à comparer à Moïse. Ils ont dit, Moïse est parti, il n'est pas là, on ne peut plus le voir. Mais tu te rappelle-toi sa parole, on ne peut plus le voir. Mais rappelez-vous sa parole, on ne peut pas le voir. Mais vous pouvez vous rappeler sa parole. Vous pouvez vous rappeler sa vigilance sur vous. Vous pouvez vous rappeler tout le sacrifice qu'il a fait pour vous et comment il a tout abandonné. Il a abandonné ce privilège d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il a abandonné tout pour vous faire sortir d'Égypte. Ils ont dit que oui, Moïse est parti il y a quelques semaines parce qu'on ne peut pas le voir quelques jours maintenant. Fais-nous un Dieu. Et ils viendront, ils vont dire que ça c'est la voie simple, l'autre voie est difficile, l'autre voie là vraiment c'est très difficile. Mais fais-nous un Dieu, nous voulons adorer, mais un Dieu de valeur moindre, un Dieu de principe diminué, un Dieu qu'on peut voir et qu'on peut suivre. Et tous, sans exception, ont suivi le nouveau Dieu, la nouvelle idole que Aaron a faite pour eux. Est-ce que vous savez que toute une assemblée peut rétrograder? Est-ce que vous savez que toute une dénomination peut rétrograder? On a vu beaucoup de dénominations comme ça. Un nouveau dirigeant est venu. L'autre dirigeant, Moïse, n'est pas là pour quelque temps. Et le Dieu de psychologie, le Dieu de syncrétisme, le Dieu de fausse adoration leur est présenté. Et puis, ils ont oublié ce qu'ils écoutaient depuis ces années. Et ils se détournent du Seigneur. Vous n'allez pas vous détourner du Seigneur. Je ne me détournerai pas du Seigneur. Voyons, Exode 32. Exode 32. Et dit, pardonne donc maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, voici la conséquence de la dépravation du rétrograde. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous avez entendu cela? Vous avez entendu cela? Lisez cela. Verset 33, 1, 2, 3, allez-y. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi
que j'effacerai de mon livre. Où est-ce que le Seigneur a dit? Dieu a dit que je suis Dieu, je ne change pas. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il a dit que c'est celui qui aussi élevé que la personne soit comme Aaron, et quiconque que la personne soit un personnage important en Israël, c'est celui qui a péché, un homme, une femme dans l'église, qui que soit la personne, celui, un membre, un ministre, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous n'allez pas pécher. Vous ne serez pas effacé du livre de vie. Mais vous savez, ceux qui pêchent et qui demeurent dans le péché et qui sont devenus des licenciés dans le péché et qu'ils vivent dans le péché et qu'ils pratiquent le péché et qu'ils croient qu'ils sont éternellement sécurisés. Je suis là, je serai toujours là, mais c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voyons Josué 22. Josué, chapitre 20, 80. Josué, chapitre 24, verset 20. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Voyez, Josué, un prédicateur et un dirigeant fidèle. Il n'a pas flatté les gens, distribué le, décevoir, séduit le peuple. Il est un dirigeant que il a dit, le Seigneur est avec vous maintenant. C'est très bon. Mais si vous abandonnez le Seigneur et que vous serviez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Il vous rejettera, il vous châtiera, il vous abandonnera et vous rejettera comme les païens. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Comprenez. La sécurité dans le Seigneur est conditionnelle. Et la condition est de demeurer dans le Seigneur. Deuxième chronique. Deuxième chronique. Chapitre 15. Deuxième chronique 15. Verset 1. Deuxième chronique, verset 1. Deuxième chronique, 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ouais. C'est une pièce à deux faces. D'une face, si vous le cherchez, si vous le suivez, si vous demeurez avec lui, vous le trouverez. Vous trouverez sa faveur, vous aurez son amour, vous aurez sa miséricorde, vous aurez sa bonté. Mais si vous l'abandonnez, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis disciple, je suis membre de l'église, je suis le Seigneur, ça c'est très bon. Mais si secrètement, au moment de la tentation, au temps de l'épreuve, au temps de la difficulté, si dans ton bureau, si dans ta maison, tu commences à pratiquer quelque chose de contraire à la parole de Dieu, si tu l'abandonnes, si tu abandonnes sa parole, si tu abandonnes ses principes, si tu abandonnes son
ses lois. Si tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonnera. Je n'abandonnerai pas le Seigneur. Je n'abandonnerai pas le Seigneur. Les tentations pourraient venir. Restons ensemble. Venons ensemble. Qu'on compromette. Et j'abandonne ceci, tu abandonnes ceci. J'abandonne ma trahison, tu abandonnes ta doctrine. J'abandonne ceci, tu abandonnes cela. Afin qu'on travaille ensemble. Si tu abandonnes le Seigneur, si tu abandonnes la parole de Dieu, si tu abandonnes la doctrine de la parole de Dieu, le Seigneur aussi va t'abandonner. Je ne vais pas l'abandonner. Il faut le dire comme je l'ai dit. Que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus-Christ. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et regardez ici, tout le monde dans notre église écoute la parole de Dieu le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi, le dimanche, au cours de toute l'année. Et on ne peut pas prétendre ne pas avoir la vérité. Nous avons reçu la connaissance de la vérité. Nous connaissons la vérité au sujet de Dieu le Père. Nous connaissons la vérité au sujet de Jésus, notre Sauveur, notre tout en tout. Nous connaissons la vérité au sujet du Saint-Esprit. Nous connaissons la vérité au sujet de l'expérience d'entrer dans le royaume, être né de nouveau. Nous connaissons la vérité de la pureté du cœur, la sainteté de vie, l'expérience de la sanctification. Nous connaissons la vérité au sujet de la puissance du Saint-Esprit venant sur nous. On connaît la vérité sur la monogamie, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On connaît la vérité de la rétribution. Nous connaissons la vérité que Christ reviendra. Maintenant, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, et si nous péchons volontairement, si nous rejetons notre conscience, si nous jetons la saine doctrine, si nous abandonnons notre Bible, et si nous rejetons nos prédicateurs, et nous fermons la bouche de nos prédicateurs, ne nous dit plus la vérité, ne nous dit plus cela, qu'on le dise ou pas, qu'on continue de prêcher ou pas, déjà vous avez la connaissance de la vérité. Maintenant, car si vous péchez volontairement, si de tes yeux ouverts, avec ta bouche et ton esprit attentif, et si vous péchez volontairement après avoir reçu la vérité, la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Christ ne va plus revenir et faire un autre sacrifice pour ton salut. Si tu rejettes ce qu'il a déjà donné, il ne va plus donner une autre chose. Si tu rejettes l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, si tu rejettes la révélation du Nouveau Testament qui nous est donnée par les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ, et tu pèches volontairement, et il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il ne va plus changer tout le système et supprimer le Nouveau Testament et te donner une nouvelle révélation et faire un nouveau sacrifice pour t'amener au ciel. Nous ne devons pas pécher. Vous n'allez pas pécher. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde.
sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment? De quel pire châtiment? De quel terrible châtiment? De quel sévère châtiment? De quel permanent châtiment? De quel châtiment rigoureux? Si nous nous détournons de ce qu'il nous a déjà donné, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Alors il prend le sang de Jésus pour quelque chose de profane et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Cela ne vous arrivera pas. Mais vous devez veiller, vous devez être prudent et vigilant, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera quel peuple? Le Seigneur jugera, je dis, qui? Dites-le-moi à haute voix, le Seigneur jugera son peuple. Rappelez-vous cela, le Seigneur jugera son peuple. Son peuple sauvé, son peuple qui le suivait, mais maintenant, à cause d'une méchanceté délibérée. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je prie que le jugement ne vienne pas sur vous. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Vous allez garder votre foi. Continuez à vivre par la foi. N'allez pas vivre par la vue. N'allez pas vivre comme bon vous semble. Vous allez marcher dans la voie de Dieu par la foi au nom de Jésus-Christ. La foi qui sauve. C'est la foi qui nous garde affermis quand vous croyez au Seigneur et vous échappez au jugement de Dieu, afin que vous continuez de croire pour que le jugement de Dieu ne revienne pas à vous. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire, tu veux te marier, parce que ta femme n'est pas encore arrivée, à cause de cela, s'il se retire, tu veux avoir un diplôme. Et j'ai passé l'examen là plusieurs fois et on me dit que si tu ne compromets pas, tu n'auras pas. Et tu as donné ton corps à l'examinateur afin qu'on t'aide à réussir. Que tu ne peux avoir ton diplôme dans cette institution sans donner de l'argent ou ton corps. Si un homme se retire, si une femme se retire, parfois c'est à un entretien, vous êtes allé à une interview et quelqu'un vous a dit que mais quand même vous avez bien fait, vous êtes admis, espérez votre lettre d'emploi, mais vous devez verser de l'eau sur le sol aride, c'est-à-dire que vous devez donner de l'argent, que si vous n'avez pas fait ça, jeune dame. Ce n'est pas affaire de prière maintenant, c'est ce que tu connais. Si tu ne donnes pas quelque chose, comme quoi monsieur, tu n'es pas une personne intelligente, tu ne comprends pas. À moi, ce que tu donnes de l'argent, et monsieur, n'est-ce pas la corruption? Si. Si tu ne fais pas ça, je ne sais pas si je peux faire ça ou pas. Pourquoi? Et la personne ne dit pas que parce que je crois en Christ,
parce que la part de Dieu m'a interdit de faire cela. Il dit que parce que je vais à une église et l'église là ne permet pas. L'église là n'accorde pas la faveur à ceux qui se corrompent. Quelle église? La vie profonde. Est-ce la seule église dans le pays? Tu veux avoir un boulot et l'église ne permet pas d'avoir ton boulot? Quitte là-bas, non? Si ce que tu dois donner pour avoir un bon boulot, le boulot ne notera pas le salut de moi. Un boulot n'enlèvera pas le ciel de moi. Un boulot n'imposera pas le ciel sur vous. Ce n'est pas la mer de la vie profonde. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne vais pas me retirer. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si vous êtes déjà un rétrograde, revenez au Seigneur. Soyez restaurés aujourd'hui. Ne permettez pas que la petite chose là vous impose l'enfer et que vous n'alliez en enfer. Faut pas jouer avec votre vie éternelle. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 20. Deuxième Pierre 2, verset 20. En effet, après s'être retiré des cieux du monde, des gens sauvés, des gens renouvelés, des gens transformés, et il s'était retiré des cieux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'y engage de nouveau. C'est la rétrogradation. Ils ont échappé à la corruption, à la suie. Se sont repentis. Ils étaient pardonnés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils marchaient tout droit et menaient une vie juste. Maintenant, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant qu'il ne soit sauvé, s'il mourait comme ça, il irait directement en enfer. C'est l'enfer direct. Maintenant, ils étaient sauvés. Ils ont échappé à l'enfer. Ils sont devenus nouvelles créatures en Christ. Les choses sont maintenant différentes, mais ils commençaient à se mêler, à s'engager dans la pollution, dans la tuerie, à se plonger dans la fornication, à se plonger dans l'idolâtrie, à se plonger dans l'adultère, à se plonger dans la magie, dans la sorcellerie, à se plonger dans la fausseté, dans l'erreur. Et dit que leur dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire que l'enfer sera plus chaud pour eux. Le châtiment sera plus sévère pour eux. Je prie que cela ne vous arrive pas. Je prie que cela ne m'arrive pas. Le verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. De n'avoir pas connu la sainteté, la justice, de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie en Christ. Et c'est mieux de ne pas connaître cela et aller en enfer comme tous les pécheurs. Que de l'avoir connu après avoir connu la vérité. Et après avoir connu la voix de Dieu, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
la vie dans l'éternité sur les pieds pour eux. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous n'allez pas retourner à ce que vous avez vomi. D'où vous êtes sorti avec la fausse adoration. Vous n'allez pas y retourner au nom de Jésus-Christ. D'où vous êtes sorti de la souillure. Le péché là, vous n'allez pas y retourner au nom de Jésus-Christ. Et la truie, le porc et la truie lavée, c'est vautré dans le bourbier. C'est la conséquence des rétrogrades. La conséquence de la dépravation des rétrogrades. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas rétrograder. Vous n'allez pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. Si vous avez rétrogradé, voyons ceci. Aujourd'hui, vous pouvez revenir au Seigneur. Jacques, chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ça c'est la restauration, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur le rétrograde de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous allez continuer. Troisième point maintenant, la consécration avec une fermeté irréprochable. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 17. Deuxième Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous n'allez pas chuter. Je ne chuterai pas. Tenons debout. Promettez que vous n'allez pas tomber. Je ne tomberai pas. Je ne chuterai pas. Faites la promesse au Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Priez le Seigneur.